Florian Châtelier, je suis président fondateur de la société Nodea Medical, qui est une société innovante qui développe un nouvel outil d'aide au diagnostic du cancer. Jean-François Marot, je suis président fondateur du groupe Omnitech, qui est un groupe d'ingénierie de conseil dans le domaine de l'informatique et de la sûreté. Lorsque le projet du CRATER est validé par le réseau Entreprendre, il est présenté en commission, il reçoit une labellisation et un prêt personnel associé à cette validation. Par la suite, le chef d'entreprise, le créateur, choisit parmi les membres du réseau, chef d'entreprise eux-mêmes, le mentor qui va les suivre pendant 2 années et qui va lui apporter, en fonction de ses besoins, les supports, soit par son expérience, soit par les différents moyens dont dispose le réseau. Après le premier rendez-vous où on va prendre beaucoup de temps pour présenter nos business respectifs, ensuite c'est des rendez-vous qui sont plutôt une fois tous les mois et qui nous permettent de balayer un certain nombre de problématiques qu'on affine au fur et à mesure de l'accompagnement. Alors avec Jean-François, on a plutôt décidé de se voir pendant le déjeuner puisqu'il faut quand même un temps assez important pour balayer l'ensemble des problématiques et qu'en tant que chef d'entreprise, on a assez peu de temps à part pendant ces périodes-là. Pourquoi jouer les mentors? Pourquoi adhérer au réseau Entreprendre? Ce qui m'a plu, c'est d'une part les valeurs du réseau Entreprendre, cette capacité que l'on donne aux chefs d'entreprise de pouvoir transmettre une expérience, de pouvoir transmettre un savoir, et d'accompagner donc un créateur, et donc de pouvoir aussi s'impliquer dans cette création, telle que j'ai pu le faire avec Florian. Le choix du mentor, c'est quelque chose qui, pour moi, doit se faire tout d'abord de manière mutuelle. C'est avant tout une question de feeling plutôt qu'une question de secteur d'activité. En effet, j'ai la chance d'avoir un tuteur comme Jean-François qui n'est pas de mon domaine et qui, du coup, m'apporte une très grande ouverture d'esprit sur les questions que je peux me poser et sur les questions que des experts du domaine, comme des experts qu'on a chez Nodea Medical en interne, ne vont pas, eux, se poser. Et donc, c'est vraiment cette relation de chef d'entreprise à chef d'entreprise, de mentoré à mentor qui va s'épanouir et c'est cette relation humaine qui va être le socle de tout cet accompagnement. C'est un bilan extrêmement positif. D'abord, je prends énormément de plaisir à transmettre une expérience et un savoir. Et puis, partager cette expérience de création avec Florian, et surtout avec Florian d'ailleurs. Et puis par ailleurs, ça me permet aussi de découvrir un autre type de business, de financement, de management. Et puis, ça me permet également de rester plongé dans l'univers de l'innovation et de la création. De mon côté, cette expérience, elle a été extrêmement enrichissante. Cet accompagnement a été vraiment très efficace. Tout simplement parce que c'est les conseils d'un autre chef d'entreprise qui a déjà fait un certain nombre d'erreurs dans lesquelles moi je ne tomberai pas, notamment sur tout ce qui concerne effectivement ce à quoi on a discuté avec Jean-François, c'est-à-dire le management, la gestion des partenaires, la gestion des partenaires bancaires notamment. Donc on a eu beaucoup de discussions autour de ces sujets-là qui m'ont permis à moi de grandir, d'avancer. Des discussions qui sont aussi propres au chef d'entreprise, qui est un métier qu'on exerce en commun, et qui nous ont permis, je pense à tous les deux, de grandir et d'évoluer. Et je suis pour ma part très, très impatient de pouvoir être membre du réseau Entreprendre et de pouvoir moi-même apporter le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui à d'autres entrepreneurs.